Allez, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve sur Zelda Tears of the Kingdom. On reprend l'aventure où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire dans le temple de la foudre. Plutôt sympathique, je trouve, comme temple, c'est probablement le meilleur. Parce qu'il y a ce côté un peu... grosse exploration qui vaut vraiment le détour, hein, honnêtement. Puis visuellement, le décor et tout, c'est classe. Allez, on va parler et interagir avec l'interrupteur.子孫よ。我が子孫よ。そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。汝の力を使い、4つの蓄電池に雷の力を込めれば、からくりは目覚めるだろう。 Et c'est parti, du coup on démarre réellement le temple aujourd'hui. Donc, alors premièrement je vois qu'il y a de l'air ici. Il va me permettre forcément de monter à une certaine hauteur. Ok, c'est ok. Nickel, 10 flèches. J'y vais tout de suite. Donc déjà, à cet étage, par exemple, on est au quatrième. Il n'y a aucun accumulateur, donc c'est bon à savoir. Il ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y aura rien, mais bon, ça reste à voir. Ouais, bon, ça a été un petit peu inutile. Attendez. C'est quoi ça? D'accord, donc il y a certaines choses qu'on peut bouger pour amener de la lumière à taper à un endroit. Mais le problème, c'est que j'ai aucune source de lumière immédiate, là. Bon, on va regarder quand même sur les murs qu'il n'y ait rien, mais... Ah si. Ici, si, on a de la lumière, effectivement. Et elle vient de là, la lumière. Allez le voir, pour le coup. Du jour. Alors on va avoir besoin de cette pierre, je pense. Nickel. Alors ensuite c'est là où il va falloir apporter la lumière d'un endroit à un autre.
Donc dans un premier temps, elle va toucher ici. Ensuite, effectivement, on voit bien qu'il y a un endroit là-haut. Ça va être chaud quand même. Là, visiblement... J'y suis presque, mais... Ah! Ok, donc là on a activé un interrupteur. Et pas si mal que ça. Mais... Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ok, ça fait deux interrupteurs. Ils doivent pas être là pour rien. Le problème, c'est qu'il est où l'interrupteur? Et le premier, je sais pas du tout comment je vais faire pour le toucher. Après, tu me diras si ça peut peut-être marcher comme ça, mais... Ouais, si, c'est bon, je vais pouvoir l'atteindre. Ok. Wow. Ok. Et par contre, elle est où la Jacqueline? Parce que j'ai besoin d'elle, moi, là. Ah, elle est là. On va se débarrasser de tout ce qui est en train de mourir là. Et 2-1. Plus que 3. Alors du coup, déjà je vois qu'on a un miroir ici, je sais pas trop s'il pourra nous servir ou pas. Déjà ça nous conduit où cet endroit? Ça nous conduit
de nouveau dans la salle principale. Et c'est d'ailleurs là où j'ai pu activer un des autres interrupteurs. C'est stylé quand même, on va pas se mentir, c'est grave stylé. Elle est où la Jacqueline? Je crois que c'est toujours la dernière à arriver, il faudrait vraiment qu'elle m'explique comment elle fait pour être aussi lente. J'ai pas de cul, franchement, à 2 secondes près, je pouvais ne pas avoir à en battre. Mais lâche-moi, toi! Allez, vas-y, au bout d'un moment, arrêtez! Voilà, ça en fait un de moins. Ok. J'avais pas vu ça. Bon, alors on en a un ici. J'imagine que pour l'ouvrir, il va falloir activer quelque chose de spécifique. Et visiblement, il va falloir monter en haut, vu tout ce qu'il y a là. Ouais. Effectivement, il va falloir monter en haut. Donc, j'en déduis... on peut faire ça. Ah, c'était pas accroché. Oh, on va faire différemment. Je dois bien avoir des lance-flammes. Ah mais le lance-flamme ça va aller trop vite. Ça va monter trop vite et ça aura pas le temps de bien éclairer. Donc là il faut bien que je m'aligne. Voilà et ensuite il me faut du bois et du silex. Donc là j'ai le bois. Et le silex, je le cherche toujours, ça va, il est là. On va quand même monter dessus au cas où. Et c'est ok. Donc là, logiquement, ça ouvre la petite porte et je pourrai activer le mécanisme. Ce sera le deuxième. Le mec, il est là, tu sais. La moindre flèche, il la récupère. C'est où Jacqueline? Et de deux. On est à la moitié, il nous en reste plus que deux et ensuite on ira finir le boss qu'on a commencé tout à l'heure. Il faudra que je fasse quelques objets de soins quand même au cas où, histoire de pas y aller sans rien. Bon, on en a rempli deux ici. Ensuite, où vais-je bien pouvoir aller ?
Il y a probablement qu'un coffre, mais bon. Ça coûte rien d'aller voir. Ah bah non. Oh bah what the fuck. Ça mène direct à un accumulateur. Bah écoutez, pourquoi pas, ça fait plaisir. J'aurais pas galéré pour celui-là. Bah du coup, il en manque plus qu'un. Bah écoutez, ça fait plutôt plaisir. Alors le dernier, il est au troisième étage. On va monter par l'escalier, on va voir et inspecter chaque endroit, parce que bien évidemment, je me doute que j'ai pas été encore partout. Bah là déjà, je pense pas y avoir été. Enfin si, remarquez, c'est par là que je suis revenu tout à l'heure. Ouais. Donc on va passer par là. C'est cool parce que du coup ils sont généreux en flèches dans ce niveau. Ah, regardez. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Je pense que là il faut qu'on amène la lumière jusque là. Alors la question c'est comment. On va regarder ça. Après, il y a plein de possibilités en vrai. La plus simple, je dirais que ce serait peut-être, sans certitude, des miroirs, je crois que j'en ai. Pas si c'est de la triche ou pas, mais comme d'habitude je pars du principe que dans ce jeu il n'y a aucune triche, hein. On réussit tous notre aventure de la manière dont on en a envie, quoi. Par contre je sais pas si j'ai déjà été ici. Visiblement pas. Comment c'est stylé. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il grimpe tout le temps pour rien? Ah bah d'accord. C'est la lumière. C'est la fameuse lumière et j'imagine qu'il nous suffisait de bloquer un des trucs pour que la lumière s'aligne. Bon, ben, vous voyez comme quoi on peut réussir de plusieurs manières différentes sans aucun souci. Ah ben en plus, regardez. J'avais même pas vu qu'il y avait un miroir de ce côté-là. Que du coup... J'ai bien envie de savoir en fait ce que ça aurait fait. Donc on va essayer quand même, on va essayer. On va les aligner complètement. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ça faisait bouger la statue et du coup ça allumait la lumière de l'autre côté. Enfin, ça l'amenait de l'autre côté. Ok. Bon, ben voilà. Ok, messieurs, dames. Ça va être chaud.
Y a vraiment pas moyen de le bloquer. Ah si. Là je me dis, je savais très bien que j'aurais jamais le temps. C'est vraiment trop stylé en vrai, j'adore. Allez là! Putain mais... Y'a autre chose là ici ou pas? Non, pour une fois y'a rien. Qu'est-ce que je dois en déduire là-dessus du coup? Ok, j'ai le capté. Ouais, mais il faut que tu le lâches, Bob. C'est bon. Ok, donc là il n'y a plus qu'à diriger la lumière vers le truc. Ah oui, il faut que je la soulève, ok. Du coup, ça ouvre en haut. C'est stylé, je trouve. C'est vraiment stylé. Vous savez quoi, c'est depuis le début, j'étais pas... Enfin, les temples étaient sympas, mais il y avait toujours un truc qui me faisait chier, où je galérais à trouver. Mais celui-là, autant le style que les énigmes, j'adore. Je suis totalement fan. Ah mince, oh le con. Ouais, enfin, après c'est logique. C'est logique que ça ne marche pas. Et en même temps... Ah, en même temps, ça aurait été stylé qu'on puisse monter comme ça. Et c'est bon. C'est le dernier générateur. On s'en sera super bien sorti, super bien organisé. On aura tout trouvé sans trop de difficultés. Ça fait plaisir. Jacqueline ? T'es où? Arrête de fuir, tu vas devoir utiliser ton pouvoir quoi qu'il arrive. Et on est ok. Absolument. Donc là, il va nous falloir faire une première chose. Ok, go. Ok.
c'est pas trop mal. Je vous avoue qu'après, pour les préparations, si vous vous posez la question, je fais toujours un peu au feeling. C'est vrai que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça qui permettait d'augmenter l'attaque. Génial. Putain, t'es pas doué, Link. Hein. Ok, cool. J'ai vu que j'avais du poisson. Allons-y. Magnifique. Et on finit encore avec du poisson. Parfait. Allez, on peut y aller. Il est temps d'attaquer le combat de ce sage là. On y go. Ça va être trop chaud, je vous le dis. Ouais, je m'en doutais un peu. Il va falloir d'abord attaquer celui de la reine, mais ça veut dire qu'on va avoir 4 nids à détruire en même temps, ça va être short. Ou plutôt chaud. Et c'est parti. La question c'est que est-ce qu'elle s'est soignée du coup? Je viens de penser que j'ai même pas mis une tenue appropriée pour être fort en défense. Normalement, j'ai de la tenue de niveau 8. Voilà. Mais en fait, on peut pas l'attaquer autrement qu'avec la foudre. Non. Putain, ça m'énerve quand ça fait ça.
sais pas pourquoi j'ai pas réussi à esquiver. Olé. Ok, c'est bon, j'ai capté. Allez, ma petite! Mince, j'ai pas réussi à esquiver. Elle est où? Elle est là. Oh le con. Putain, j'ai raté. Oh, c'est une blague, elle a esquivé. Ouh, je lui ai fait mal là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, ça y est, elle active les cocons. Je me disais aussi, j'avais oublié ce détail qu'il y avait des cocons. Elle est où? Ah oui, d'accord. On va se soigner quand même. Et de 1. Waouh, c'est le bordel. C'est clairement le bordel. Un de moins. Putain, il est refermé, il est ouvert. C'est bon, j'ai eu le dernier. Allez, bam! Il en reste beaucoup. Ok, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal. J'ai même pas Wally, mais elle va attaquer. Si elle a crié, c'est qu'elle va attaquer. Elle est où? Elle est là-haut. Ça y est, je peux attaquer.
Oh putain, d'accord, elle vole. Ouais, ça va être compliqué. Ben genre elle a esquivé. Ça lui est passé à travers. Allez tiens, mange-toi ça. Ok, on peut pas l'attaquer encore. Oh purée, j'ai pas pu l'esquiver. Tiens, j'ai confirmation qu'il y a donc 2 lignes de cœur en tout. Ah bah je suis bête, pourquoi j'ai pas mangé des trucs à l'attaque qui augmente? Hop, ça va faire du bien ça. Elle est où? Allez, ça c'est bien. Oh purée. J'ai l'impression que l'attaque de ces tornades a vachement amplifié. Et d'où ça l'a pas touché? Ok, on peut pas l'attaquer. Oh purée, j'ai pas pour l'esquiver. Elle est où? Ok. Mais d'où? À quel moment? Tain, mais elle se relève toujours, c'est une blague ou quoi? Ouais, ça pourrait aller mieux, je te le dis. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'active le pouvoir, elle active ses tornades. Là par exemple, qu'est-ce qui justifie que mon pouvoir est désactivé? Elle est où? Elle est là. Ok, là on l'a touché cette fois-ci. Wow, pas si je vais réussir à l'esquiver. Oh. Raté. Là normalement elle va faire sa tornade. Donc du coup j'attaque pas. J'esquive la tornade. Et ensuite coup de flèche. Sauf que je peux pas parce que ben voilà. Mais sauf que c'est impossible. Enfin à un moment donné, vous avez vu? J'esquive la tornade, sauf que l'autre mongolienne elle l'esquive pas la tornade, donc du coup ben, je peux pas faire mon attaque. Allez, mange-toi ça. Bam, ça c'est fait.
子孫よ我が血を継ぐ者ルージュよその声は我らにずっと話しかけてきていた我は汝の遥か遠い祖先初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る剣じゃない力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事さすがは我が子孫ゲルドの誇りよあれは砂人の元凶であり魔王によって差し向けられた魔物その目的は先ほど触れた石奇跡が汝の手に渡るのを防ぐことだった魔王奇跡そうその二つが汝に大きく関係してくるのだ故に心して聞いてほしい封印戦争と呼ばれる戦いそして我が一族の宿命をそれは今よりはるか遠き過去の出来事この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと罪なき人々を襲いその国を滅ぼさんとする巨悪が現れたそれこそが魔王我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だがそれに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がったラウルは魔王と戦うための術として奇跡を我らに渡したそれは持つ者の力を倍化させる秘宝我もその一人雷の賢者として奇跡を携え戦いに臨んだしかし奴は強大であった我が雷撃にも動じぬ頑強さ揺るがぬ覇気ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだそれが封印戦争そのしばらくの後6人の賢者が1人時の賢者が我が元を訪れゲルド族の宿命を決定づけた魔王の封印はいずれ解け目覚めますその時彼に剣士リンクには対抗する力がなくてはなりませんどうか彼に力を貸してください雷を司るゲルト族の力を我らになすべきことが定まった瞬間だった魔王討伐は我らの大願魔王を生んだ一族の責その償いも込め応えよう我がゲルド一族は魔王復活の時再び雷の賢者として目覚め剣士リンクと共に戦うことを誓おう これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ汝らの活躍でゲルドの町は救われたしかし魔王復活は近い我が子孫ルージュどうかこの秘跡を継承し我が時の賢者と交わした約束剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと
族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡、わらわが受け継ごうぞ。イカズチの賢者、見よ、これが賢者の力だ。はリンク、手をこちらに。三日月の賢者、ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。
Ça. Et bien voilà, nous avons terminé la quête principale qui devait nous... J'ai pas trop les mots, mais en gros, qui consistait à nous rendre aux quatre grandes villes du monde d'Hyrule. On a libéré leur village, maintenant ils peuvent de nouveau vivre à l'extérieur, donc je pense qu'ils sont quand même plutôt pas malheureux. On va pouvoir donc passer à la suite. La suite, évidemment, va se dérouler dans un premier temps au fort du Guet. Évidemment, nous verrons ça demain ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le maximum de pouces bleus et vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.